Une foule immense s'est formée devant le centre des impôts à Mamoudzou. Ces personnes s'impatientent de remplir et déposer leur déclaration de revenus. Pourtant, la campagne se poursuit jusqu'à la fin du mois. Du monde devant le bâtiment et même à l'intérieur, l'affluence est identique au grand étonnement du responsable. Je ne sais pas pourquoi tout le monde vient aujourd'hui, parce que je tiens à le répéter aux usagers mahorais. Vous avez jusqu'au 29 juin pour déposer votre déclaration, donc jusqu'à la fin du mois. Donc tout n'a pas à être déposé aujourd'hui pour demain. Il reste encore 4 semaines devant vous pour faire votre déclaration. Tous les effectifs sont mobilisés pour aider ceux qui ont des difficultés à remplir leur déclaration. Il est vrai que dans l'année, la période de déclaration des impôts est la plus intense. On accueille beaucoup de monde ce matin parce qu'on a communiqué sur les primo-déclarants, c'est-à-dire les gens qui déposent pour la première fois. Donc on a beaucoup d'usagers qui arrivent. L'objectif, c'est de faire passer tout le monde, bien évidemment, en s'assurant qu'ils ont tous les justificatifs nécessaires. Okay ? Donc c'est des gens qui, logiquement, qui sont sur Mayotte depuis l'année dernière. Donc nous, on va justifier qu'ils aient bien tous les justificatifs nécessaires, une facture, par exemple, EDM ou ST Mayeux. S'ils sont hébergés, il nous faut derrière l'avis de la taxe d'habitation, l'avis de la taxe foncière. Pour les contribuables, la patience est de mise. Je viens chercher un avis d'imposition, ce papier est réclamé à l'école de mes enfants. C'est pour ça que je suis là, j'ai un ticket, j'attends qu'on m'appelle. Je suis là depuis 2h du matin, pourtant j'habite Mamoudzou même. Je viens pour déposer ma première demande de revenus 2017. Voilà. Et pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Il y a quand même beaucoup de monde là. Oui, parce qu'on était là depuis jeudi. Après, ils ont dit que pour la première demande, c'est lundi 4 juin. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Pour beaucoup, si le numérique est privilégié, ils préfèrent le contact humain. Une boîte aux lettres est disponible pour ceux qui ont déjà rempli et qui veulent déposer. Il y a aussi des réceptions sur rendez-vous pour les cas les plus compliqués.